Et ça fait que Pepe Haïtien toujours à prendre des. Donc des leaders politiques, Abdou. N'est qu'à faire toute ville dans la politique, mais mon bicycle a dit pas rien. Parce que madame, monsieur, fait politique. Une très mauvaise conception. Hein? Ce madame qui demande en pile énergie, oui. Et faire de la politique, lui demande à ce que vous soyez passionné. Et depuis que vous êtes passionné, c'est politique seulement qu'on fait. Et pas oublier que politique, tout le monde qui est dans la question politique, son grande finalité, la prise du pouvoir. Ok, mais pas oublier. Les bases de beaucoup de monde, ou beaucoup de familles qui versent seulement dans la question politique. Il y a des gens qui connaissent le matin dans tout. Qui connaît une politique depuis 9h du matin jusqu'à 11h du soir. C'est ça, j'en ai refait, oui. Vous avez dit que ça, les gens, ça, l'affaire politique de 9h du matin jusqu'à 11h du soir. Parce qu'on va oublier que l'autre dont table, c'est réflexion qui a dégagé. C'est opinion qui a mettre, c'est argument, en fait, qui a mettre sur la table. Donc, elle dit que les temps passent, on ne connaît pas. Il y a des gens qui font tout le temps affaire politique. Et puis, ou bien on fait politique là aux gens, il n'y a pas un champ de pouvoir, oui. Et on t'a dit là, c'est que élection pour gagner et politique pour gagner pouvoir, c'est à travers les élections. Maintenant, on dit que quand nous sommes en 2020, on fait des secteurs, tout le monde a goumé la politique, pas fait des stratégies. Comment on prend le positionner, donc que ce soit dans le cadre de transition, que ce soit dans le cadre de nouvelles élections, dans le cadre de prochaines élections qui a gagné pratiquement dans le pays. Maintenant, l'élection vient de faire, ou bien transition vient de faire. Ils n'ont pas fait partie de l'équipe qui montait, là. D'après nous-mêmes. Vous pensez que vous allez croiser, ou non? Ils ont continué à faire politique. Si transition c'est 3 ans, ils ont pris position pour après 3 ans, ils sont toujours là. Ou bien si c'est l'élection, ils vont positionner pour après, après 5 ans, 4 ans mandat, puis ils sont toujours là. Eh bien, madame, monsieur, ça que nous rendons compte. Chaque mandat qui est, chaque élection, chaque légue transition, c'est 3 ans en plus qui montait dans l'âge maintenant. C'est 5 ans en plus qui montent dans l'âge mounan. Donc, c'est bien de venir garder auprès des gens qui font politique. Et puis, vous ne pas reconnaître les gens qui sont épuisés. Parce que lui pas fait que ça, que de la politique. Eh bien, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Misère. Pays loc là. Coronavirus là. Par contre, si nous rendons compte de ça. Lui frappe les politiciens nous très fort. Madame, monsieur, que de l'église qui fait politique là, leader politique. Femme avec garçon qui a fait politique. Gabila de la cour, il est là. Oui. Gabila de la juge électorale, il y a un Kembe. Oui. Le Kembe, il n'est pas même capable de subvenir à besoin. Yo. Oui. Ok, mais il n'y a pas qu'à quitter la bataille là tout, mais qui bataille. Il n'y a pas qu'à casser la lutte là tout, mais qui lutte. Donc, est-ce que nous rendons compte que, qu'on découragement quelque part, qu'on laisse aller quelque part, qu'on sorte de résignation quelque part? Sur le mandat du président Jovenel Moïse. Maintenant, le président Jovenel Moïse, tout, en fait, pas oublier, mais toujours dit ça dans l'émission à débat. C'est un président de la République. Et toujours dit ça ici dans l'émission à débat. Ou pas, je vois un président. Parce que même pour avoir été candidat à la présidence, tout le monde, ça voulait dire un président. Parce que je suis un qui travaille avec un protocole, qui était sorti de tous côtés en France, aux États-Unis, là en Haïti. Nous te chita. Ok? Sont les colliers pour comprendre ça comme président. Un président, c'est pas on n'est pas qui bagaille, madame, monsieur. Parce que le président qui bagaille dans le monde. Président, c'est un goût son monde. C'est un demi-dieu. Son monde qui a fait et défait. Nous, ça va passer là avec question. Et bataille, réforme, je venais me dire comme président engagé là-dedans. Écoutez, dans le secteur privé, il y a un qui est très puissant. Il y a un qui est un même avec la police nationale d'Haïti. Il y a un qui est riche, juste dans le dedans. Mais écoutez, madame, monsieur. Et le président. Ça n'a aucun face, président. Parce que la force légale, c'est le président de la République qui détenait. La force illégale, lui détenait en fait même force illégale là. Donc qui soit qu'à faire? Et c'est l'État. Est-ce qu'on a goûté à l'État? Ou pas qu'à goûté à l'État? Et voilà qu'en fait, je dis en tout, dans le contexte, là, je dis à la de pratiquement 2 ans, un président comme le président Jovenel Moïse qui a donc supporté par une frange de la communauté internationale. Maintenant, je dis, au cas des leaders politiques haïtiens, ils sont très affaiblis. Ils ont appauvri tout. Il y a là-dedans qui n'a pas rien comme encore. Il y a là-dedans comme si, qui tellement mettait tout le monde dans la bataille, pays loc là, puis ils étaient capables de prendre pouvoir dans le Jovenel Moïse, ils n'ont pas arrivé à prendre. Ils n'ont pas gagné encore comme ressources. Il y a là-dedans qui est malade dans tout. Il y a là-dedans qui est malade. Il y a là-dedans qui est diabétique. Il y a là-dedans qui est hypertendu.
Gladero en fait qui gourmet avec un corona qui quitte des séquelles pour eux. Même dans réunion pas calé. Même réunion partisans militants pas calé réunion quoi. Vous avez dit que vous venez de vous faire accompli. Voilà que Kounia, le bureau qui est là, le bureau intégré des Nations Unies, bien entendu avec le support des Américains, suite au vote d'Haïti contre le gouvernement Maduro vénézuélien, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appliqué l'agenda et pas de monde qui a empêché sa fête dans le pays. Mais toujours dit le matin, la politique, c'est le rapport de force. Il faut qu'il y ait en fait une force contraignante pour empêcher l'application de cet agenda. Qui est-ce qui a empêché? Dis-moi qui a dit qui a empêché que les États-Unis engagent le pays donc, vers la voie des élections. Dis-moi qui est-ce qui a empêché. Il y a l'accord du 21 août dans les jardins de Radio Kiskeya. Attends de voir ce que peut apporter ce accord. Le parti Fomi Lavalas adhère avec Akora, nous connaissons déjà. Ça veut dire, Fomi Lavalas qui parle jamais dans rien. Fomi Lavalas décide d'entrer dans le cadre d'accord. Ça veut dire qui ça? Ou finit une plateforme qui gagne petit de sa ligne là, ou qui fusion, ou qui Fomi Lavalas, avec un paquet de parti quoi, ou qui AAA. Au PL là dedans. Femme t'a vérifié si OPL, ne doutez pas au PL pas dans la donne. Au PL, ok. Maintenant, c'est la crème de l'opposition. Ou d'accord? Madame, monsieur, bien de la doute. Lors du visite de Saline, ou dit AAA, ou dit secteur démocratique, ou dit fusion, ou dit OPL, ou d'accord? Ouais. C'est la crème de l'opposition. Ou dit unité vérité. Ou dit unité vérité, c'est la crème de l'opposition. Elle dit que je dis à madame, monsieur, est-ce que font ça pour être capable d'arriver? Empêcher les Américains. Parce que l'éclair, les tweets de l'ambassade américaine, il y a quelques questions. Oui. Même là où on parle de faire bagaille, décret. Écoutez, on ne peut pas mettre en fait toutes les cerises sur le gâteau. Mais, alors, ok? Comprenez bien, madame, monsieur. Maintenant, le clair est sur tout là. Est-ce qu'on capable de lire tout là, donc pour auditeur émission matin des bayo? Ok. Alors, ça m'a dit, nouveau parti politique pour nous dire bienvenue. C'est on a un parti politique par contre. Oui, Ligue Batibal. Parine. Donc, oui, mais qu'on parti la capteur à la sieuse, moi, maintenant, tout qui c'est Mojira. Parti ça tête chargée. Ouais. C'est parti jeunesse là, parti jeune garçon dans le pays. Et m'a regardé, monsieur, dans mon capteur là, capable d'avancer sérieusement. Et c'est recrutement qu'il a fait là, dans le moment où on a parlé là. Ok, maintenant. Tout ambassade américaine est clair. Même si vous ambassade américaine, notre truc là, il mentionne des questions de décret. Il va pas faire manger comme ça. Il va pas écrire un tweet sans que, en fait, pour la consommation de la classe politique, il ne va pas mettre un bagaille pour montrer que une certaine impartialité. Parce que pas oublier, madame, monsieur, parce qu'il y a un rapport au décret, il y a un net. Seule institution, seule instance qui est capable de dire de faire des créations, du moins modifier ou bien amender, c'est le Parlement. Mais n'oubliez pas, Parlement qui est capable d'amender des créations ou bien annuler, il constitue de qui est-ce? De députés, de sénateurs. Donc, vous me tombez dans deux bails différents. Oui, sur des cris là, j'avais dit que c'est deux bails différents. Très bien. Parce que l'on n'a pas un Parlement. Ou pas dans la démocratie. Ou pas dans la démocratie. C'est pas dans la démocratie. Mais il a tout fait cette même matin à tout. Ouais. Alors, c'est montrer que qui est l'ambassade américaine. Oui. Parce que c'est question de calcul. Il compte bien que de créer. C'est pour prendre le problème. Parce que, madame, monsieur, la valeur de l'élection pas ça. Qui ça parle dit que pouvoir capable de la majorité au niveau du Parlement qui parle plancher sous des calculs de chaos. Comprenez? Parce que des calculs, annulant la amende là. Ou modifier là, sur le démarche. Et pour annuler, amender ou modifier, c'est le Parlement qui a fait. Et là, on va être obligé d'entrer dans une bataille avec le Parlement. Si vous n'avez pas une majorité, ou du moins, si vous voulez remplacer la majorité, eh bien, puis il faut décaper des gens. Alors, excusez-moi, je rapidement. Mais une majorité. Alors, et contre ce qui vient de bail ça, pour voir ça que là, t'es une majorité. Correct. Or, pour faire passer. Objectif, c'est majorité, nous bien. Vite de majorité. Qui ça régler avec majorité? Correct. Qui ça? Parce que lorsque vous connaissez la majorité, c'est que l'IGT de 3 premiers ministres.
bon grande responsabilité. Il jette trois points. Oui, parce que c'est pas le moment pour jeter. Il jette trois points. C'est pas le moment pour jeter pour mille. Alors, ça m'a dit là. One qui pique est fort, ou même qui était candidat à la présidence ou bien. En Haïti, c'est que c'est toujours difficile. Ou appelle élu président pour population appelé ou pas de majorité. Ouais, ouais. Maintenant, automatiquement, ou élu président, pi gros travail ou bien pour faire, pour chita avec député et sénateur pour souka créer une majorité pour travail. Ça, c'est la démocratie. C'est pas un bagage illégal ou bien un bagage illégal. Non. Pour bon démocrate là comme président, il faut donc entrer en dedans. Sénat, j'aime débuter pour créer une majorité. Pour aller créer une majorité. Ah, mais c'est l'âme de la paix maintenant. Tout bon, maintenant, qui sont favelles. Si l'âme retourne dans notre ambassade américaine, justement, alors, pour voir qu'il a gagné une majorité. Une minute, Josué. Tu as gagné majorité. Pour ce pas non, Yo beau ces bagages là, mais ton petit. Vas-y, les États-Unis encouragent le gouvernement haïtien à faire preuve de retenue dans la publication de décrets en utilisant ce pouvoir pour planifier les élections législatives et pour des questions de vie, santé et sécurité. Ça sont petits, là, on peut dire. Le gouvernement. Preuve de retenue. Oui, ça sont petits. Tout ça que dit, même moi. Ça dit, vous ne pas prendre des retenues. Vous ne pas prendre des décrets, n'importe qui j'ai encore. Ça veut dire, pour ne pas prendre des crêpes encore, ou bien pour ne pas prendre des crêpes n'importe qui gens encore. Non, maintenant, ça, son petit, reste Texas, ça le dit. Alors, retenu, alors, ça me vient là, les pas fini. Ok, papa, l'élection. Eh bien, ok. Maintenant, Texas, en fait, toute l'ambassade américaine, il parlait justement de décret, également, parler de l'élection. Okay. Élection, oui. Maintenant, élection qui doit être justement. Capable. Alors, je me permets maintenant, tout à l'heure, ça, son petit. Pour montrer mon gars même il est soucieux et de bonne marche pays là de bonne gouvernance vous êtes là vous connaissez ça bien mais on était bien que affaire bail décret après les élections c'est laisser abattre la préfète au niveau du parlement pour qu'on ait comment on va statuer sur décret est-ce que ça va l'amender ça va annuler ça va modifier ça va connaître sur l'autre démarche et sur l'autre bataille politique madame monsieur maintenant on nous était sur question élection mais décret et locaux nous pas même au monde qui a trouvé que m'a dit même bagarre là tout le temps mais m'a dit parce que c'est ça lié parce que décret et on décret pas qu'à rentrer une loi donc on est dans hiérarchie la loi ouais les en priorité sur question décret loi donc nous non ou bien l'impression que président ou bien équipe là t'es besoin d'arriver dans stade ça dans stade côté que au président pour le président pas qui pour ça matin nous t'a et prérogative président mission li li pas gain pour le substituer pouvoir législatif là il pas gain pouvoir ça parce que si l'a parlé de un état démocratique oui mais pas gain tout là non pas qui est-ce qui cause pas gain non ça en considération non et la considération c'est une réalité c'est pas non attendez il y a pas de problème si c'est pour ça monsieur chaque président venu l'a toujours fait même bagarre là li gon agenda li gon ensemble bagarre li besoin faire passer li ou l'école li pas faire élection li crase on parlement il fait pas il fait ça le plaisir au passé jusque là ça veut dire une réalité moi même moi ça y est l'état de droit nous pas besoin parler de li encore question la loi nous pas besoin parler de li encore question constitution nous pas besoin parler de li encore parce que attendez c'est jodi le cabon pour vous mais demain c'est pas le cabon parce qu'on va critiquer parce que sans faire jodi non l'autre qui a venu le faire li pas bon pour vous parce qu'on a parlé de un pays président pas un mandat à vie comme président pas ta fait politique c'est pas un politicien c'est pas un monde qui gon parti politique li adhéré c'est pas un monde qui a fait politique il très malheureux pour m'a dit ça oui li grave vous m'a parlé d'un président de la république comme ça comme si un président de la république qui ne faisait pas de la politique qui pas adhéré à un parti politique donc et comme si t'as pas gagné pour le perdre là donc un pays. Aucune société pas marché sans règles. Et pays lui-même qui ça qui régit règle, c'est constitution. Donc constitution li depuis 87, question décret, constitution abolit Libanil. Donc nous rive côté président Martelly te fèl, nous parce que pas de jam réaliser élection, président Jovenel Vini a fèl parce que pas réaliser élection.
Donc ça ne dit qui ça. N'importe ne qui vient président là, il va faire même bagarre là toujours. Ça veut dire question état de droit la prêter une question théorique qui pas jamais appliqué vrai. Jusqu'à présent, m'pas bon menti et ou font très bonne en fait intervention, c'est bon. C'est bon. Moi dans la réalité là, pas oublier me toujours dit sort qui baille imbécile pas prendre. OK, la politique c'est le jeu quand même des maîtres. Parce que pas oublier madame monsieur, nous ne sommes pas faire politique. Amateur pas faire politique. Et quand il y a qui a passé dans le pays là, faut chercher qu'on est. Et faut poser question tout. Pourquoi son président toujours été attaché pour faire mandat 5 ans? Pour qui ça? Mais que équipe yon même, équipe pouvoir même, yon là dedans qui voit que pas gagné à Bogle. Mais faut gourmet pour faire 5 ans. Qui est-ce qui fait tout? C'est pour faire passer le temps. Mm-hmm. Yeah. Je dis, c'est vrai que nous dans situation d'exception parce que Haïti pas jamais dans situation ça. Ça nous aurait passé là en pays, je dis à madame monsieur. Donc nous pas jamais de ça dans pays, non. Bon pas connait si l'autre monde qui ouais, qui t'habitue à ça. C'est ça que Haïti a gangolé descendre. Pourquoi j'aime dans état ça? Non, pour chômage, vous avez même. A tout point de vue. A tout point de vue. Ça y est, mon gars, de qu'on ouvre parce qu'il faut qu'on ait ça. Non, pour chômage, vous avez même. Et la plus mal demain. Et sans doute, les dinap de gangolé descend, donc et puis bas. Ok? Et que je dis, est-ce que tout ça qu'a fait, c'est pas pour faire passer le temps? Sauf qu'il baille qui est imbécile, pas oublier, madame, monsieur. Et ça fait que m'encourager tous les jeunes garçons, jeunes femmes à entrer dans un parti politique, commencer à faire politique. Faire politique. Yeah. Parce que le monde qui pas éclairé, pas qu'à faire politique. Parce que la politique, c'est l'affaire des maîtres. Pas grand matin en politique. Et ça, c'est un bon conseil grâce à Delvate. Ok. C'est pas, c'est très bien. Il dit, jeune intellectuel, il rentre dans le parti politique. Parce que t'as critiqué lui. Faire politique, parce que t'as pas critiqué lui. Correct. C'est pas dire qu'il n'a pas mérité place côté lié. Correct. C'est ou même, d'ailleurs, sous tes implicoles, peut-être, il dit qu'il n'a pas là. Bien sûr. Donc, c'est intégré le parti politique. Intégré. Faire politique, parce que, qu'on veut, a toujours un président, a toujours des sénateurs, a toujours des députés, ça veut dire. Donc, si vous pas voter, ou pas faire politique, ou pousser les bagailles, ça veut dire qu'il y a toujours bon des mondes. Donc, c'est la nature a horreur du vide. Je dis à madame, monsieur, c'est Jovenel Moïse qui est donc le président de la République. Vous m'avez dit, sauve-le. Vous avez le Jovenel, vous avez le Jovenel. Eh bien, pas nous. Il est le président. Ok, mais c'est Jovenel Moïse qui est donc le président de la République, de cette République. Kovlil, Kovavlil. Supporté par qui? Supporté par surtout les Américains et un secteur de la communauté internationale. Mais ça qui est réalité, là. Pas pour la brève. Ni pour la pleurer. C'est sa réalité, là. Maintenant, comment combattre ce monstre, ce spectre, en fait, comment combattre? Eh bien, m'a bon menti. Pas qu'on se pas qu'on choque ou qu'on combattre que. On fait combien qui vous fait? Ouais. Ok? Nous mettons monde qui fait partie de l'opposition. Yo. Qui et puis, convaincre le peuple là dans des machines. Convaincre l'international là dans des machines. Il y a un argument. Nous convaincre. Il y a un argument à vous convaincre. Oui, il y a un argument pour convaincre. Convaincre. Et puis, planifier une bataille de résistance. Et puis, ou pas loin, si Jovenel Moïse a carité ou bien s'il n'a pas carité. Mais je dis à fond, nous intelligents tout. Faut nous caler à travers les lignes. Pour qui ça, ambassade américaine, mettez notre ça dehors. Il fait tout ça. Dis quoi, ils ont clair, tout ça, oui. Oui, ça est qu'on y a tout. Et ma garde deux trucs, le ministre des Affaires étrangères là, Claude Joseph. Mm-hmm. Il dit, pareil, élection tête droite, parce que depuis le conseil électoral l'a monté. Ok? Dès que loi électorale l'a parlé, dès que sous loi électorale l'a il pas sorti, et puis il a dérapé. Donc, fin année 2021, avec les élections. Maintenant, qui est-ce qui est capable de contraindre ça? Est-ce que je dis, à quoi 21 août, là, qui vient là-dedans, Formula Valas, AAA, Petite Dessaline, Fusion, OPL, secteur démocratique, là, on a dit que, donc, opposition pratiquement, il est censé renforcer là, est-ce qu'on est capable de mener une bataille pour empêcher Jovenel Moïse de rester au pouvoir après le 7 février 2021? N'a songez, madame, monsieur, à cette émission en débat. Monsieur le Premier ministre, tu as fait analyse sur la date du 7 février 2021. Nous t'ai dit, la date du 7 février 2021 n'est pas automatique. Vous savez pas ça? Oui. Est-ce que c'est monsieur? Oui, oui. Nous t'ai dit ça. Et l'un d'entre eux, ça fait matin, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dénager les loups. Je vais les matins débat.
oh ça a dit quoi ça la gagne et président là pour 7 minutes 7 février 2022 enfin bah nous a dit que 7 février 2021 automatique là dit mais n'a pas qu'on est et ben c'est là nous la donne là madame monsieur donc 7 février 2021 pas automatique et ben madame monsieur faut me dire que je dis nous n'en route élection nous avons président Tolbert qui voulait participer n'a même point ça n'a même point ça très bien donc on nous assiste que ça va passer. Est-ce que Jovenel Moïse n'a pas arrivé comme président de la République monter conseil électoral pour vous? Pour vous, bagaille, matin débat dit, dans ça, Louko, ou appelons-le nous faire débat ça. Nous dit que. Alors, bon, nous obligés de dire opposition parce que nous expliquons, chaque fois nous dit opposition ici, nous expliquons ça, nous voulons dire. Parce que nous avons dit opposition, pas qu'on est. Nous un peu noyé. Ouais. Mais depuis que vous ne travaillez pas dans le gouvernement, pas dans le gouvernement, on a besoin. Oui, maintenant, nous disons que nous sommes en limite. Vous n'avez pas dit ça. Nous disons que si vous avez besoin de bataille, c'est pour faire entre juillet et octobre. Nous te disons ça. Pas quitter au plan privé, c'est là qu'on peut faire bataille. Toute bataille que tu as fait, c'est pas quitter date octobre arrivé. Non, mais même pour se justifier par devant les Nations Unies. Ah bien, madame, monsieur, pas jamais oublié que il y a donc les élections américaines, ok, pour le 3 novembre. Je dis à Bini, qu'on a une responsabilité. Ok? L'ambassadrice américaine, donc, qu'on a une responsabilité pratiquement dans le pays. Il faut qu'elle justifie le travail en Haïti. Jusqu'à elle dit que pour arriver le 16 octobre, là, il y a un ensemble de bagailles qui vous fait. Je te dis ça pendant le début de la semaine, je te dis que il y a une pile de décisions qui va prendre pour Haïti, il y a une pile de décisions qui va prendre en Haïti. Nous sommes là. Parce que nous marcher pressé parce que nous voulons la galère avant pour avant Tolbert dit aïe. Nous rappelons au président Trump t'es servi avec ça qui passe en Haïti. À force avec le non force pas de dire non. À force les faire. En plus attention. Coup y a là. C'est pas arrivé médaille là. C'est pas arrivé médaille. Très bien. Et député président Tolbert Alexis comment est-ce? Bonjour Louko, Pierre Matet à tous et toutes amis qui les amis qui sont sur Joa et Zahir César, c'est un plaisir. Pour nous capables de parler de l'actualité, bien avec Jésus, donc nous bien nous là, nous travaillons, nous avançons, nous sur l'actualité. Et tant que j'en dis, moi, je vais vous dire, annoncer, moi, après. Très bien. Ok, quand on rejoint nous dans le débat, ça l'a fait matin. Là, on a parlé de la note, en fait, de toutes, de l'ambassade américaine, qui parle un petit peu de décret, donc de façon voilée, mais qui clair dans le message, Haïti doit prendre route élection. Oui, tout à fait. Et. Non seulement Haïti devrait avoir des élections, au fait, l'ambassadeur vient bien comprendre que le pouvoir en place a tout fait pour mener le pays, pour diriger le pays par décret. Ça veut dire qu'il vient comprendre, parce qu'il était comprendre que tu as gagné des impondérables, mais il vient voir que c'était laissé un fait planifié. Comme il n'a jamais trop temps pour bien faire pour revenir dans le cadre de la Constitution, ça veut dire que ni nous autres de l'opposition et ni pouvoir de comprendre que je vous dis, c'est à l'ordre constitutionnel qu'il faut revenir. Bataille, chercher, fragiliser la constitution, faire la constitution, vous devez être évalué de nous en retard, bagaille, ça va à l'autre du jour encore. Parce que c'est des bagailles, et puis, dans chaque pays à traverser, dans tout le pays, nous y est, donc, pas que c'est une unité pour nous parler dans le bagaille comme ça, donc, constitution, j'en prie, voir vraiment de l'air comme ça pour nous faire. Donc, l'ambassade avec le gouvernement américain qui soutient ce pouvoir, il faut revenir à l'ordre constitutionnel, il faut faire élection. Mais l'ambassadeur peut toujours demander ça depuis 2019, ce que moi m'a demandé depuis 2019, parce que il était senti que le pouvoir pas de faire élection. Maintenant, il est très difficile pour pouvoir, parce que les moments de revenir à l'ordre constitutionnel, même pas tant que bâtiment noir, pas le bâtiment blanc. Ça veut dire que même le président de constater qu'à du Article 134-2 ça le dit. Qui dit que mandat président, quel que soit l'aile montée, donc la fini dans le 5e année mandat. Ça veut dire que j'en ai là et mandat Jovenel Moïse a fini en 7 février 2021. Ça a lui-même liqué parce que. Il y a forcé pour revenir à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que lui, dit que c'est pas des bras, il dit que c'est l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que parce que l'ordre a déjà pouvoir dans la vie, il est un pays avec la constitution, il est un pays avec la loi, il est un pays avec la loi, parce que le président n'a pas plus de pouvoir ce que lui confère la constitution. Le président n'a pas plus de pouvoir que sa constitution en Bali. Très bien. Or,
Parlement, l'Assemblée nationale qui cadre des décrets pour ratifier les conventions et les accords, parce que en Assemblée nationale, son décret Assemblée nationale là, parce que le décret sont administratif, c'est pas un acte de légiférer comme tel, c'est pas un acte de légiférer. Et me dit ça en émission dernièrement, président Massad a tapé, mais tout pays lié pour la Ligue des Vignes, pour conseil de ministre, pour former des théories, pour la présenter un décret en seul jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou si un prière, vous pouvez encore dire un matin, ou pendant si un prière exécutif, pour nous voir afficher bien, ou prière, ou c'est parlement, quand même. Et puis, l'île Venezuela, que président Jovenel Moïse a commandé faire élection, Venezuela, gros parlement là, Venezuela fait élection, Venezuela renouvelle les écrits. Donc, là même, qui a choqué un régime, pour son régime du bon côté, un régime, côté que c'était tout élu, Josia et 9 grands élus, qui n'ont pas 11 grands élus, qui n'ont pays, du sénateur au président. Et président Abdou, constitution Babo, elle peut être seulement sous lui, il y a le cas, il a juste voulu l'insulter, la fragiliser, l'évoluer du côté. Donc, quand même, dans le cas que, il y a une nouvelle histoire qui dit, il dit gros, il y a trois temps pour le président, il y a un constitution pour un décret, parce que quand même, le président, il avait oublié les normes, les pré-décrets, les plus gros, un décret, c'est un acte administratif simple, décret à part à pour légiférer. Donc, aujourd'hui, il y a pas cette ambassadeur, il y a un président Jovenel Moïse, mais vraiment, il y a un brutal. Pour le cas de Bouta, parce que l'année 2021, je précise de Jovenel Prenant, ne pourra pas être l'année électorale parce que c'est l'année fin mandat. C'est ça, vous comprenez. Parce que depuis que nous retournons à l'ordre constitutionnel, où il ne pourra pas faire l'élection, et le président Jovenel Moïse se prépare à monter en CEP tête en bas, sans accord, sans rien, en CEP parle, dans poche libre, peut-être pas faire l'élection pour lui. Donc, c'est une accomplissement. D'ailleurs, à partir de toute l'ambassade là, président Jovenel Moïse de camper sous deux masses CEP unilatérales et parlementaires parce que représentant pour un ministère américain te parler dernièrement, je te dis que vraiment ton CEP, on CEP inclusif. Ouais. Pas d'accord, parce que des bouchons qui n'ont cadre constitutionnel là, ça a quoi vous faire. De pour pas gagner par le mot sorti dans le cadre ouvert ou ouvre prêchat, c'est à quoi vous faire. Et à quoi vous faire, c'est justement, yon grain de quoi qu'après, j'ai été comme cette avance pour faire élection. Soit à quoi vous faire de vous sortir dans le cadre constitutionnel, on n'a pas dirigé pour tête pour encore. Mais aujourd'hui, il y a un résident de l'Université qui m'a oublié, et si au fur et à mesure, l'école a commencé, ouais, que moi qui t'a conseillé lieu, moi qui t'a dit l'entrée, la fin des crédits, un million de crédits, la prête des crédits à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, c'était illégal, et sur le pénal, là, pas bon, c'est pas équipé, tout bas, on va tomber, elle prend le balai 2 h demain, très bientôt. Donc, je pense que, il joue bien pour le président, comprendre que, où est-ce que marche la fête, bref, tout va être fort, où est-ce que marche la fête, on va essayer de gagner la terre, là, parce qu'on va faire monter, c'est association, pour vous, et pas pour se réveiller, faut le camper sous l'île, il y a plus de problèmes. Et c'est même bagage, ça, yo, qui prend le fait que, il va se faire tuer, pas tendre, pas comprendre. Peut-être qu'il y a des contrôles pas pour lui, et bien c'est parce que le pacte est en accord avec les forces politiques. Donc, là, pratiquement, son monde qui a entraîné autant de gens dans le couloir, nous n'est pas ce que le pacte a sorti. Et là, vraiment, je pense que nous prenons en instabilité pour par rapport à cette journée 2021, mais c'est le président qui a mené tête qu'il a. Parce que le président, dès qu'il y a une possibilité pour que institutionnaliser le pays, il va faire, il était une majorité confortable dans les deux chambres pour que mettre les institutions démocratiques, à savoir le conseil électoral permanent, parce que toute bataille par rapport à la constitution va voir, c'est si le conseil électoral permanent, t'as une mauvaise pression. Dès qu'il va faire, et puis avec la Cour constitutionnelle, Haïti avec le Liban, c'est deux pays qui est système de germano-manique qui n'a pas encore institué une cour constitutionnelle. Tous les pays africains, le Mali là où est-ce qu'il y a des problèmes avec le ça, qui est la cour constitutionnelle. Tous les pays africains institutionnalisés. C'est deux pays sur la tête qui est un système de germano-manique qui peut au calmer la cour constitutionnelle, qui un conseil constitutionnel, c'est Haïti et le Mali. Institution ça, le conseil électoral permanent et le conseil constitutionnel. C'est pour mettre en place pour institutionnaliser le pays à pour pays à te casser dans la transition, ça depuis une très tard. Très bien. Merci un peu, le député Jean Tobel. Merci. Ok, voilà. Ok. À cette deuxième partie, analyse. Est-ce que tu as dit tout tweet ça, tweet et ambassadeur américain. Son signal est pour dire nos bouquets. Il a emballé là, oui. Il a brûlé. Alors, madame, monsieur, comprenez bien. Quand nous allons entrer dans la deuxième partie, analyse. C'est vrai qu'en fait, on même cap gardé. Parce que l'ambassade américaine ne pouvait pas tout donner donc, au président Jovenel Moïse. Yo met un tissu sous gâteau qui c'est question décret. Mais pas oublier, politiquement, tout ça qui écrit, tout ça qui dit qu'on valeur, les valeurs politiques.
dans l'émission Martin Débat, nous analysons la question du G9. Nous avons essayé de regarder l'implication internationale dans la question G9 là. Et nous avons essayé ensemble à qui est-ce G9 capable de venir utile. Donc, et puis devant. Et en conclusion, nous devons comprendre que G9 international est capable d'utiliser tout contre le président Jovenel Moïse si il y a une phase, il y a rien compte que le président Jovenel Moïse ne pourra pas délivrer. Ne pourra pas délivrer, savoir, il n'est pas capable d'engager le pays à nos réformes constitutionnelles, bien que lui-même lui bail garanti. Ah, yo même que la capable faire réforme constitutionnelle là. Il était pas garanti la bien, okay? La bien gouvernement légitime de. Justement, ok. Lui, il est pas capable d'arriver organiser les élections, mais que le bail garanti. Qu'il te fait. Que la organiser les élections. Donc, madame, monsieur, face à constat ça, mais ça qui va passer dans le pays, il demande rapidement ça qui va passer dans le pays. Matin débat. Même sur opposition, il renforce là. L'accord du 21 août pour permettre que l'opposition à partir du mois de septembre 2020 planifie un agenda, un calendrier d'événements jusqu'au 7 février 2021. Vous avez dit que championnat que nous te la donne qui était l'opposition puis après qu'à Jovenel Moïse là, ok, semi-finale là, il fait déjà. Donc finale a commencé à partir du mois de septembre jusqu'au 7 février 2021. Eh bien, c'est même gentil, oui. Jovenel Moïse comme président de la République, l'union finale là avec l'international. International là, mandat, Bini, en particulier de renouveler le 16 octobre 2020, faut qu'il joue lui-même pour le capable de convaincre les Nations Unies. Ok, c'est une nécessité pour le mandat renouvelé. Est-ce qu'il n'est pas capable? International là, à l'élection américaine le 3 novembre 2020. Jovenel Moïse, mon dernier bataille ça, faut qu'il y aille jusqu'au bout pour montrer international que le cas fait élection. Hein? Oui, mais vous avez dit que rapport de force n'a pas le compte en pile. On dit Jovenel Moïse comme président de la République. Je l'ai fait là, c'est que moi, ministre des Affaires étrangères, l'annonce, lui monter un conseil électoral provisoire, même s'il n'est pas inclusif. Et maintenant tout le monde a un rapport de force. Il monte au bagage. Kounia! Il peut représenter un néglari. Il prend tout le bagage. Il monte au bagage. Il fait un conseil. Oubliez, madame, monsieur, il y a 210 partis politiques. Toujours. Ou pas, je vous lance des nègres qui doivent quand même. Par élection droite. Quand même. Mis à part. Des partis de gouvernement là, voilà, sous composition déjà, puis si des salines de composition déjà, ok, secteur populaire, secteur démocratique, ben voilà, et vous voyez l'autre parti qui tout que, il y a pas l'élection. Comprenez bien? Pas oublier. Rapport de force là, mon dernier bataille ça, c'est Sam Labiedou. Comprenez bien? Mon dernier bataille là, mais que son rapport de force là, c'est Sam Labiedou. Parce que Jovenel Moïse comme président, faut qu'il arrive le 7 février 2022. International à lui-même, faut qu'il positionne le nom de Jovenel Moïse pour le 4 peut-être. Il n'y a pas le goût pour mettre au conseil électoral provisoire sous pied. Il n'y a pas le goût pour entrer dans l'élection. Eh bien, en face, ça faut regarder. Est-ce que nous déjà imaginons qui ça fait d'année, ça va lier donc pour pays d'Haïti à partir de ce mois de novembre 2020? Élection pas qu'à faire dans force, surtout dans la conjoncture nous y est là, ça ne gagne à terre. Pas qu'à gagner élection, sans pas qu'on chita parler, sans pas gagner un accord politique, sans pas gagner un oui de la part des acteurs qui concernaient par élection. Très bien. Donc, pas qu'à faire élection, et puis, c'est moi-même encore qu'à l'élection. La prochaine, j'ajoute. Je peux changer, oui. Parce que, mais changer joute là, il y a un premier pas vers la possibilité à ce qu'il y ait un accord politique. Correct. Parce que, avec Premier ministre joute, bon, tout le monde clair sur ça,
la difficile pour gagner un chita parler. Clair, clair. Mais ça veut dire, on pas capable d'élection si ou dans ensemble de mise en place qui faut qu'on fait. Clair. Chita parler, changement de gouvernement, c'est youn là dedans. Et pour changement de gouvernement, faut que c'est un accord qui joigne. Donc, conseil électoral, là, bien que me donne, y a consulté moun là à gauche à droite. Y a fait des bagarres à la fois, hein. C'est dialogue sur constitution en même temps et puis dialogue sur conseil électoral provisoire en même temps. Bon marché pressé, eh ben. Là qu'a fait. Donc élection à terre. Pas d'élection sans campagne électorale. C'est clair. Et pour une campagne électorale, faut un climat qui propice pour dire que moun ka fè campagne koto vle. On l'a oublié tout qui a fait ticket là. Oui. Ou pas qu'à aller élection moi-même jusqu'à présent j'ai des cartes tout desservi hein. En passant. Tout desservi. Moi t'as oublié ticket là. Ticket là. Oui. Donc faut qu'on lisse l'élection. Mais on ne parle pas d'élection. Élection pour quelle année? En fonction. À élection ça en 2021. Madame, monsieur, le débat sur la date du départ du président, s'il était rentré dans la logique de gouvernement de conseil sur ça en décembre, il était parlé de février 2021. Oh. Est-ce que nous comprenons? Donc, les boules à la décision 2021, pour qu'on retourne à la case de départ. Oui. Parce que la discussion que nous sommes en train de faire là maintenant, dans toute, c'est comme si nous étions en novembre 2019. Mm-hmm. Pour le président mettre sous pied là, il y a un gouvernement de consensus qui se seul route que le caprin qui t'a permis lui river des élections. Mais pour ça faire bien. Faut opposition inexistant. Ah mais c'est ça d'où? Ah non, maintenant c'est qui force opposition mal. Si opposition okay. Existait, la montrer pas A plus B. Et il y a éléments dans même. Argument. Il y a argument dans même. Et les arguments sont là. Correct. Mais ils sont vrais. Ils doivent faire, non, ils doivent faire non, là, d'intelligence modérée, oui. Et puis, la manière, tout ça qui passe, 1, 2, 3, 4, Bini et gouvernement, quoi. Et puis pour faire bataille là, pour démontrer que ça n'a pas fait. Oui, mais là, maintenant, bien entendu, à toutes, il y aura besoin de communication qui est claire. Ah, bon, écoutez. Bon, écoutez. Bon, communication, on a le mot, ils ont dit pas, on a dit pas, et puis la valeur, ça a dit pas, non. Pour peuple pas dans la confusion. Ah non, mais c'est. Il va besoin, mais non bataille avec une action planifiée et concertée. Oui. Madame, monsieur, selon la lecture de matin débat, et selon conviction nous-mêmes dans matin débat, Grinzel 4, Jovenel Moïse, qui était nous-mêmes là, suite à cette note de l'ambassade américaine, pour lui vers les élections, c'est voyez Joseph Zout aller. Grinzel. Ouais, c'est lui-même cap. Et c'est Bouchon. Hein. La date limite. C'est avant le 16 octobre 2020, la date limite. La date limite. C'est Green ça a été là, comme je le cas. Parce qu'on n'a que qu'elle n'est pas capable d'arriver, organiser les élections avec Joseph Zout. Donc c'est retourner à la case de départ. Et de fait, c'est ça qu'on va faire. Le problème, c'est retourner à la case de départ. Mais, bon timing, pour le patron, il n'y a pas que choix là, madame, monsieur, que retourner sous table. Avec nous qui sommes sur la table là, Kainos, apostolique là. Ou bien Lambert, ou bien Gadi Leblanc, ou bien Paul Denis, ou bien Dega, Jésus Simon, Dega. C'est seul monde ça yo. Ok? Qui a mis l'opposition là. En confiance. Donc, nous avons un accord minimal qui peut permettre que l'Olivier donc vers les élections. Ah, mais opposition. Bon, en tout cas, et ça qui est passé, président Aristide, avec l'opposition 2004, là, faut que ça ne pas arrivé. Ça va. Hein? Quand on arrive dans un moment où nous d'accord pour Chita et puis on ne peut pas occuper encore. Non, mais c'est nous, c'est que. Ça va arriver. Il y a jusqu'à octobre pour le voir et sous aller. Ok? Il y a jusqu'à octobre pour le révoquer Joseph Foot. Et il y a jusqu'à octobre pour arriver, entendre-nous,
En fait, opposition modérée, parce que l'opposition radicale là, il va dans deux jours dans le monde, mais opposition modérée, opposition radicale est capable de trouver à travers l'opposition modérée. Voilà. On parle de Lambert. On a souvent parlé de Lambert. Mais sénateur Lambert, de côté où il veut, il n'a pas fouillé tête lui. Ah oui, c'est ton doux. Vous terminez. Mais il a fouillé tête. Non, si pas encore minimal, Lambert pas cabine. Parce que Lambert, c'est sénateur de la République. Émission Miragouane et à chaque fois nous venons dans phase. Parce que il de cœur. Il n'a pas fouillé tête de aucun côté là. C'est sénateur de la République. Et expérimenté politique. Oui, ça dit que. Oui, facile. Bon. Paul Denis n'est pas non plus. Il dit Paul Denis même bon, bon, ou elle tenait dialogue, ou elle te vit. Il dit que débat, il n'est pas fait même. Ouais, ça me dit là. Et après ça, je ne sais pas. Ouais, moi-même, je pense qu'il y a un bagage qui vient. Et le coup de bagage, il y a un bagage. Parce que, ou pas dans tête président, ou pas qu'on a qui est président, parler. Ou pas dans tête, ou pas qu'on a qui est parler. Rappelez-nous bien que Jovenel sont gagnants. Oui. Sont gagnants. Oui. Et sont gagnants politiquement. Depuis nan campagne li jusqu'à présent. Très bien. Ou toujours paraît difficile pour lui, li sorti. Li sorti. Li sorti quand même. Maintenant, c'est pour gagnant de manière pays, mais personnellement il est gagnant. Satisfaction personnelle. Très bien. Satisfaction personnelle, donc la marque est point. Très bien. Maintenant, le on moun comme ça, louko, li difficile pour mettre le chita. Parce qu'il toujours pensé non ça connaît et route la presse ça veut dire boss que le gagne parce que les gagne mon donc ça veut dire que moi-même moi penser que moi-même moi penser Jean moi gon bagaille qui dérapé ou bien Jean m'a débatté dit gon limite il dit que gon intervalle gon entre juillet et octobre c'est là dedans pour monsieur Damien entrer si vous voulez corriger un bagaille si vous voulez tout ça vous voulez faire cela depuis on quitte depuis on connaît il y en a et 7 février non c'est là pour entrer en dedans uni en dedans pouvoir ça là tout ça pour faire là parce que ou bien force ou bien pile force pour mettre nation unicita pour discuter très bien. Pour discuter très bien. Bon, en tout cas, nous devons laisser font parler avec Lionel Fontil, donc obligation coupée. N'a propose, n'a tourné, pas vivre pour ton radio. Côte mesdames haïtiennes, yo, Ricardo gen nouvelle pour nous. Mesdames qui aiment faire shopping, yo, qui aiment belle radio. Check it, www.rosenboutique.com. Si nous besoin valise à faire sans d'albelle ou pas l'autre côté. Rosenboutique.com, Rosenboutique.com. C'est là où je mets qualité, le bibon, ma chaîne.